Je m'appelle Aurore Littleton et comme tout le monde, j'ai une passion. D'autres, ça peut être le foot, la boxe ou encore le basket. Mais pas moi. Aucun de ces sports décrit réellement ma passion. Je confirme, ma passion, c'est bel et bien un sport. Un sport qui fait rêver. Un sport pas comme les autres. Un sport qui me fait vivre. Eh bien, cette passion, c'est tout simplement l'équitation. Aujourd'hui, j'entame ma nouvelle vie, loin des parents, mais près de leur coup de fil pourtant. À ce qui paraît, cette ville est assez calme, un coin tranquille, espérons-le. Dans ma nouvelle maison, j'ai une colocataire qui, elle aussi, partage la même passion que moi. J'espère qu'on va bien s'entendre. Bref, je suis une fille comme les autres, mais mon histoire n'est pas comme les autres. Elle n'est sûrement pas magique, mais plutôt spéciale. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, Laurine, je suis Aurore, votre nouvelle colocataire. Oh, je suis si bête, excusez-moi. C'est pas grave. Donc, tu viens d'où? De New York. Si ce n'est pas trop indiscret, pourquoi tu voulais venir dans ce trou perdu? À vrai dire, quand j'ai déménagé à New York, j'ai oublié mon journal intime de mon enfance. Mon père n'a pas pu s'empêcher de le lire. Il a découvert que j'ai toujours rêvé d'avoir un cheval. Puis, il est mort. Dans son testament, il a mis un chèque à mon nom, puis une lettre. Il me disait que je devais réaliser mon rêve. J'étais donc en acheter un, puis normalement, il l'a envoyé à ton adresse. Je suis désolée pour ton père, toutes mes condoléances. Merci.